Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Tales of Xillia 2, épisode numéro 9, si j'ai bien compté. Bon, c'est bien, en plus elle a un peu changé de personnalité, c'est bien. On a déjà fait tout ça, vraiment, allez. Hops. En plus, il n'y a plus d'ennemis. C'est là qu'on était? Ouais, c'est là qu'on était passé. What the fuck? Ça y était déjà là? Ah, il fallait aussi venir ici en plus. On le connaît lui, Balin? N'importe, que savez-vous de Julius? Les spirites sont vraiment dangereux, n'est-ce pas? Bah, allez. Je me souviens de qui c'est. Mais d'un côté, on a déjà battu un boss là. Super, 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 super. Spyright Fou, fin, chapitre 5. Donc apparemment là, si j'ai bien compris, on a terminé le chapitre où on avait les deux choix en fait entre les deux villes. Donc
Donc ça, c'était le deuxième choix hein, de venir ici, à Marxbourg. Donc, non, c'était pas Marxbourg, je sais plus. Du coup, voilà, maintenant, on va recommencer l'aventure. Donc voilà, juste pour vous dire, quand on a eu les deux choix entre les deux villes, ben, c'est maintenant que ça se termine, en fait. Du coup, ça, c'était déjà la deuxième. Mais là, je ne sais pas où je dois aller, en fait. J'ai une fois lire les objectifs. Je me demande quand on va récupérer le voyage rapide, en fait. Rembourser une partie de votre dette. Non, c'est L2. Combien est-ce que je dois rembourser? Oh, putain, quoi, 15 000. 15 000, et là, je pense pas qu'on puisse appeler ça une ville. Avec... Ouais, non, j'ai pas... Il n'y a pas les trucs, hein. Il n'y a pas les... le bureau des enquêtes et tout. Donc là, j'ai encore une fois filé à travers cette zone, hein, mais ouais. Oops. Ah, parce qu'on peut récupérer les minerais élémentaires. Ah, cool. Ben, je vais aller récupérer tous les minerais élémentaires que je peux. Que j'ai pu récupérer, et comme ça, bah, c'est bien. C'est bien comme ça, c'est bien. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Regardez combien de capacités ils apprennent maintenant. On n'a rien là. Pourtant, il y a quelque chose qui clignote. Est-ce que j'aurais oublié ce passage? Poudre de fer x3. Bon, là, à mon avis, j'étais rentré dedans. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a encore deux trucs par là. Hop, on va d'abord aller là. Récupérer celui-ci ici. Oups. Ah bah apparemment il a pas encore récupéré. Il est pas encore réapparu le minerai élémentaire. Ok bon c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller vite fait aller récupérer l'autre minerai élémentaire qui est là. Et ça c'est quoi? Ok c'est juste un objet. Et là on va prendre ça pour retourner à la seconde zone du... De la grande route de Torbalan. De Torbalan. Ouh. Oh. Ah merde. Je voulais attraper celui avec le... Avec le triangle là. Avec la... Attention. Est-ce que là on a le choix entre les personnages? Par exemple... Non, on n'a pas le choix. Parce que j'avais vu que là tantôt le truc était revenu. Hein. Ah mais regardez, le monstre il est toujours là. Ah, il est encore là le... Attention! Mais il rapporte plus d'expérience. Hein. Ils sont plus forts, mais ils rapportent plus d'expérience aussi. Hein. Icône puissant. L'icône puissant est une icône spéciale, rare, qui indique un groupe d'ennemis particulièrement fort. Si vous remportez un combat contre des adversaires marqués d'une icône puissante, vous gagnez deux fois plus d'XP et de gold que d'habitude. Si vous avez confiance en vos talents de combattant, retentez le coup. Bon, mais ça va, et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, je pense que j'ai un bon niveau pour continuer. Non. Bon, par contre, là-bas, il y avait des perles de... Comment ça? Minerais élémentaires. That meant more though. Bon, il y en a aussi pas là. Et pas là. Et pas là. Non, j'ai pas encore affronté cette bête. Elle est beaucoup trop puissante. Et quoi que, je pourrais... Si maintenant je fais une petite sauvegarde rapide, est-ce que ça va compter? Allez, sauvegarde rapide. Et puis merde. Oups. Sauvegarde rapide. Je pense que les sauvegardes rapides sont comptées maintenant comme si on perd un combat. Et puis même, je peux toujours fuir. Hein. J'avais fait ça durant le... Même si on arrive par derrière, je sais, je l'ai... On n'a aucun...
Allez, putain. Vulnérabilité à tout le reste. Donc en fait, je devrais prendre le contrôle de quelqu'un d'autre. Si j'ai bien compris, quoique... Bon, ben on va garder les pistolets parce qu'avec avec l'autre connard, ça fait... C'est bien. Oui, lui. Qu'est-ce qu'il a comme artelier par personnage? Oh! Oh! Ben je vais me lier à elle alors. Tonnerre roulant et super tournoiement. Tonnerre roulant. Fichier. Ah, tonnerre. What the fuck? J'ai tonnerre roulant en lame. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tonnerre roulant et super tournoiement. Merde. Fais chier. Est-ce qu'alors je passe en contrôle de Jude? Je ne pense pas. Ah, hein. Oh, fais chier quoi. Regardez combien il perd quoi. Il perd pratiquement. Il perd zéro à tous les coups quoi. Ah non, pas quand il est en garde. Regarde. Allez, c'est bien là. Il n'a pas sa garde. Il n'a pas sa garde. Oui, bien. Allez, allez, allez. Allez. Let's keep this up. Allez, 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 allez. Allez, c'est bon ça. J'ai compris en fait comment il fallait le battre. En fait, pour ceux qui n'y arrivent pas forcément, qui n'arrivent pas forcément à le battre, il faut en fait essayer d'éliminer tous les papillons qui viennent. Et à partir de là, en fait, vos alliés vont donc vous aider à battre l'ennemi. Et comme ça, en fait, vous aurez parce que quand il est en garde, en fait. Il ne reçoit aucun dégât. Du coup, quand vous êtes plusieurs à l'attaquer, là par contre ça marche, vous pouvez le détruire. Allez, vous pouvez lui faire des dégâts, parce que sinon vous avez tout le temps 0. À mon avis, c'est comme ça, de toute façon, même si vous êtes de niveau 50, vous lui ferez 0. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'est comme ça. Point. Si vous n'avez pas compris, ben, je peux rien faire pour vous. Désolé. Merde, non, c'est ici. Il est où? Bah, il a pas encore repop. Parce que c'est pas ça. Il a pas encore réapparu. Donc celui-là, on l'avait
pas récupéré. Si, non, oui, non. Il est là. 6, et par ici aussi, il y en a. Voilà. Et c'est reparti. Ok, donc au final, il y avait une manière précise pour le battre, et je ne la connaissais pas forcément. Triglyph. Donc ok, on est de retour à Triglyph. Enfin. Est-ce que je peux payer ma dette avec tous les combats que j'ai faits? Des événements totalement indépendants du scénario principal peuvent survenir lorsque vous parlez à vos coéquipiers une fois en ville. Essayez de parler à tous les personnages dans toutes sortes d'endroits, surtout à ceux que vous aimez le plus. Oh, et encore une chose. Vous avez désormais 5 coéquipiers. Tous ces personnages restent en ville pendant que quand vous n'avancez pas dans l'histoire principale. Toutefois, lorsqu'ils quittent la ville, Ludger ne peut se faire accompagner que de 3 personnages. Assurez-vous de donc les avec soin avant de vous mettre en route. Vous pouvez changer de coéquipier dans n'importe quelle ville. Ah, ok. Donc là, par contre, je peux choisir. Ok, donc si par exemple j'ai envie de mettre Leia et Owen, je peux quoi. J'ai envie d'une fois changer de personnage. Ah mais non, lui il a apparemment le cadenas sur lui. Et on peut pas changer de meneur en fait. Ah merde. Ah ouais, chercher quoi un chat. Mais du coup, en artelier il a quoi? Rétablissement, télépovilisation. Par personnage, ouais, il a, à part avec elle en fait, il n'a aucune artelier à plusieurs trucs. Mais comme ce sont des arteliers qui s'utilisent avec différentes armes, bah c'est pas forcément possible. Quoi. Donc l'âme jumelle, ça augmente un peu sa puissance et comme ça coûte pas non plus super cher, voilà. Allez, quantité 1, va aussi mettre des protège-points. Oui. Oui. Voilà. Et puis merde. Je me dis qu'à un moment, il faut bien s'acheter quelques trucs. Ah merde, c'est pas à toi que je veux parler. C'est à lui que je veux parler. Voilà, 12 000 galdes. Merci. Nique ta mère. Donc apparemment, quelqu'un m'a dit dans les commentaires que les quêtes sont aléatoires. Et que du coup, il fallait avoir beaucoup de chance. Allez, parfois beaucoup de chance pour débloquer plusieurs trucs d'affilée qu'on avait déjà récupéré. Du coup, j'avais eu énormément de chance la première fois que j'avais enregistré ça. Et du coup, j'avais plus eu beaucoup de chance après. Du coup, voilà. Alors, on va voir posséder 2 à vaincre 0. Ah ben voilà, charpentier amateur. S'il te plaît, à vaincre 5. Nique ta maman. À vaincre 7. À livrer, liste des camarades de classe. Ok. Ok. Ok, apporte-moi la liste. Triglyph, rue de la technologie. Va encore une fois nous appeler, c'est génial, ou pas, vu qu'elle est chiante. Hein? Oh, c'était peut-être pas sur la mer qu'elle était. When I hit thunder, I always think what happened to daddy. Hops, titre obtenu, badge en bois, événement mis à jour. Prenez un bateau à Marksburg pour le Havre d'Aladi. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, elle est à la rue de la technologie. Elle est où, la rue de la technologie? Ah ben là, il y a un truc. Là, il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs à faire. Hops. Ah, regardez. Comment c'est l'histoire de Jude? Bah, ouais. Ouais, pourquoi pas. Jude, chapitre 1, idéalisme et réalité.
J'en sais rien, mais je dis ça. Pauvre Jude. Non, oui, j'avais dit que... C'est pas là où on vient d'aller. Déliobor, quoi. Putain, quoi. On en vient, quoi. Non, c'est pas par là. Si, c'était par là. Du coup, toi, on va te parler. Commence à nouveau. Oh. Ouh, 24 000 galles de chemin d'Aladi. Bon sang, je l'ai vu. Il avait des griffes énormes, mon gars. Je suis sûr qu'il peut tout déchirer avec ça. Je suis cuit, mon pote. Putain, par contre, j'ai envie de descendre un peu. Merde. Chaise de merde, va. Hop, je bouge le micro un peu. On va aller voir dans les contrats. Alors, on va voir un peu, genre, ouais, rue de la technologie, j'irai après. Mounir de Xagout. Grand de Torbalan. Déjà, ça. Grand route de Torbalan. Ok, c'est parti. Bon, parti. Putain, ils ont déjà repop. Oups. Ah, c'était là en fait. Ça tombe, je suis juste passé à côté, quoi, là, tantôt. Where the fuck is that fucking thing? Voilà. Non. Poudre de fer. Hein? Ouais, là, il y a soi-disant un truc. Oh, et puis merde, il y a certainement pas encore repop. Ah, 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 j'ai vu quelque chose. Oups, regardez. Le trou qui se trouve ici. Mais il y a des trucs élémentaires dedans. Des minerais élémentaires. Merde, j'ai appuyé sur... Allez, vas-y, nique ta maman. Bon, 4. C'était pas énorme, mais c'est déjà ça. Bon, c'est parti. C'est reparti plutôt. On s'en bat les ch'tecs de ça. Ça a pas encore repop apparemment. Hop, on va aller récupérer ce sac à dos. Sac à dos. Non, c'est pas vraiment un sac à dos, mais bon. Bon, c'est parti. Merde, j'avais pas... Ah mais oui, de toute façon, je vais aller battre ces trucs-là. Il y a ces trucs-là et les espèces de loups, là. Les trucs-là. Over already?
Yes, Jude. Mathis. Cible cachée. Ok. Hop, c'est parti, mon kiki. Capacité. Ah. Il a jamais plus de trucs, lui. Hein. Bouc émissaire, bon, force. Provoque un ennemi, concentrera ses attaques sur vous pendant 5 secondes. Lorsque vous provoquez un ennemi, ses attaques ont plus de chances de rater leur cible. Bon, on l'a déjà sur quelqu'un, non? Cible cachée, on l'a déjà sur Jude. Du coup, ben, on va donner garde solide. Ça me semble une bonne idée. J'aurais dû aller me soigner quand même avant, hein, avant de repartir. Parce que là, on dirait qu'Elise, elle a morflé. Hein, alors que ce n'est absolument pas le cas. A améliorer l'une de ses arts, t'as appris une capacité. Bon. T'as toujours aucune art liée. Bon. Avec plusieurs personnages, non, nique ta maman. Bon, on va pas les prendre tous, hein, non plus, ces trucs. Mais, ouais, prendre une bonne petite partie, c'est suffisant, quoi. Ah oui, je dois détruire des ennemis, moi, c'est juste. Voilà, notamment ces bestioles-là. S'ils se retournent, je suis dans la merde. S'ils se retournent pas, c'est bon. Ok. Parfait. Ok, lui aussi, il est pas résistant au maillet. Super. Bon, c'est parti. Il reste encore un ennemi, c'est la plante. Je ne vois pas l'utilité de la battre ou de la combattre. Mais Typo, c'est quoi en fait? Typo, c'est une sorte de machine, pas vraiment machine. Je pense pas qu'on puisse vraiment parler de machine, mais c'est quelque chose lié au spirit. C'est quelque chose lié au spirit et du coup PC plus 2. Ok, donc monstre félin, c'est le truc qu'il y avait à droite. Mais par contre, le taureau là, on n'a pas encore affronté assez. Ok, donc là on a récupéré tir punitif avec Alvin et du coup. Ouais, mais bon, c'est deux fois tir de mortier, quoi, tu vois. Je sais pas si du coup je peux l'utiliser aussi deux fois. Attendez. Donc casque, j'ai plus aucun son. Ah, ok. Ok. Hops. Ouais, du coup. Bah, allez, on va quand même aller le mettre. Hein. C'est quoi? Nuée de bulles et tonnerre roulant. Ok. Alaï. Oups. C'est parti. Je déteste Héliobor. C'est trop loin. Et c'est quand qu'on aura le voyage rapide, quoi? J'espère que du coup il n'y aura plus les monstres.
Ça serait bien. Je me demande toujours en fait. Ah bah c'est par là qu'il faut aller, bordel de merde, je voulais pas y aller. Come on, you scratch my back and I'll scratch yours. It's win-win. I don't see why you even bother Dr. Mathis Rex. Look, for the last time, our answer is no. You sure about that? I've heard a few things about this lab, you know. Your research is dead in the water without this, am I wrong? Ah ouais, donc par là, de toute façon, on n'aurait pas plus... Ah si. On pouvait accéder au dernier étage, mais apparemment, il n'y a rien ici, à part cette salle-ci. Et il y a quoi ici? Ok. Attendez. Faut que je vois où est-ce qu'il faut que j'arrive. Ok. Allez, non. C'est quoi ça, cette affaire? Je peux pas le... C'est bien ce que je me disais. Encore? Bandeau de bronze. Ah, Elise et Leia. Hop, du coup. Bandeau de bronze. Plus en défense P, mais moins en défense A. Elle gagne plus en défense P que ce qu'elle perd en défense A. Vous voyez. With lesser spirit class spirites. That's good enough for practical use. Sign an exclusive distribution deal with us and you'll find yourselves on Easy Street. We'll decide when the device is good enough. A 20% failure rate just doesn't cut it. Is that so? You're certainly cavalier about your lack of progress. I know how much money has been sunk in this project. Patient time. Contract negotiation. That's a great spirit, Foster. Something like that might come in handy for your research. Great spirit. Celsius, perhaps? Yep, the genuine article. Wielded by the leader of Exodus himself. Celsius's fossil sank to the bottom of the sea a year ago, in the ruins of the ESS Zenithra. The Risa Maxian government conducted the salvage operation of the Zenithra. I believe that makes this fossil the property of Risa Maxia. How'd you end up with it? You certainly know your stuff, Dr. Mathis. Perhaps it's time for you to leave.
I know when I've worn out my welcome. I'll bid farewell for today. But I hope you'll give my proposal some thought. For the sake of your research. Don't forget that. Consider it a gift. Although you didn't get it from me, of course. Catch my drift? He's from a company that distributes material used in making spirites. Or, at least, that's what they tell the public. I'm interested in Dr. Mathis' experimental new spirite control device. They just keep coming and coming, no matter how many times we send them away. Mary, could you put this in safekeeping for me? I don't know if it really is what he claims, but why take any chances? Of course. I'll inform Dr. Balin as well. Thanks, Mary. Ah oui, Dr. Balin. C'est juste. Depuis là tantôt, je dois vous expliquer qui c'est. En fait, c'est le frère d'Alvin. Voilà. C'est le frère d'Alvin. Toujours dans le 2, vous allez me dire. Mais c'est le frère d'Alvin, donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, qui est là quand on arrive ici dans ce monde, parce que je rappelle pour ceux qui n'ont... Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Je le rappelle pour ceux qui ont joué au jeu, ou bien pour ceux qui ont regardé mon let's play, que en fait il y a deux mondes dans Tales of Xillia, il y a ce monde-ci et il y a Risa Maxia, qui est le monde de Jude et tout le reste. Concern everyone. Don't worry, I'll be okay. This is just something I have to figure out on my own. Thanks for coming along, Ruger. It felt good to have some backup. Je trouve ça quand même bizarre. Bon, vous allez me dire, c'est pas pour ces petits trucs là comme ça qu'ils vont faire un boss. Mais ouais, je trouve ça dommage que... J'espère qu'ils nous remettent en ville, hein, parce que refaire toute la route... Non, c'est la musique de... Variation de couleur, Jude. Non ! On récupère ça ? On récupère ça ? Non ! Ah oui. Non, c'est trop bien. Oups. Ah, c'est bien ça. Ah, du coup, ça me donne envie de faire le reste, hein. Mais je pense que je le ferai plus en off. Du coup, voilà, le reste de la route, je le ferai en off. Moi, je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir. Mais je ne sais pas quand ce sera, à la prochaine. Du coup, voilà, juste au revoir.